spéciale. Et à ce moment-là, je demande pour prendre Bibo et pour tourner dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Je m'applique pour même verset de base, semaine de réveil. Non? 2 Pierre, chapitre 3. Et puis après ça, nous allons tourner dans le livre Apocalypse. 2 Pierre, chapitre 3. Et puis après ça, nous allons tourner dans le livre Apocalypse. Moi, dans verset 9, 8, 8 et 9. Attendez qui ça que le dit. 2 Pierre 3, verset 8 et 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Seigneur, bénis pas au loi soya. Fais-nous grâce. Que cet esprit convainc-nous pour nous capables de réaliser que parole ça que nous sommes liés à la son avertissement et nos besoins prendre au sérieux. Bénis parole que nous prenons partager. Non, non, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Semaine ça, il a parlé concernant Christ Abtouné et le pavé personne périt. Et c'est dans le contexte ça, et depuis dimanche, nous avons des messages que nous avons prêché, surtout sur le livre, dans le livre de l'Apocalypse, pour nous parler surtout concernant cette bagaille qui vient pour arriver dans le jour qui ou qu'on est, et si on a un livre dans la Bible qui c'est Genèse, on a l'autre livre dans la Bible qui c'est dernier livre dans la Bible qui c'est Apocalypse. Apocalypse, moi, je veux dire révélation, dévoilement. Si bon Dieu mettait dernier livre ça dans la Bible, c'est parce que il y a des bagailles qui veulent que nous connaissons. Il y a des gens qui ont une approche historique de l'Apocalypse. Et peut-être ça, il n'y a pas moins un livre là. Il dit comme ça, Apocalypse arrivait déjà. C'est un livre qui accomplit au 1er siècle. Et la Bible n'a pas fait comprendre comme ça. Il y a des gens qui ont une approche symbolique de l'Apocalypse. Il dit comme ça, c'est un livre qui remplit le symbole. Il n'y a pas de pouvoir avec l'autre. Personne n'est pas capable de comprendre. Peut-être ça, on mette à côté. Nous ne pouvons pas garder. Parce qu'on n'est pas capable comprendre. Il y a des gens qui ont une approche futuriste de l'Apocalypse. Approche futuriste, là, dit Apocalypse, l'église qu'on n'y a pas besoin d'ouvrir. Pour quelle raison? C'est parce que, bagay yo beaucoup prête pour arriver, pas grand rien dans l'Apocalypse qui arrive déjà. Ça, c'est pour les gens qui vivent dans fin temps. C'est eux-mêmes qui supposent ouvrir le livre ça n'a pas pour nous. Et si soit dans l'église où il n'y a pas jamais prêché dans l'Apocalypse, c'est parce que l'église, ça, il y a une approche historique, il y a une approche symbolique, il y a une approche futuriste. Mais nous-mêmes, sous base Bible, nous avons une approche prophétique. Approche prophétique là, tout simplement, je l'ai dit que Apocalypse est un livre prophétique. Il y a une partie là-dedans qui est réalisée déjà, et il y a une grande partie qui peut réaliser, qui a réalisé quand même. Et c'est sous base approche prophétique ça que pendant ce maintenant, on a parlé concernant préparation au retour de Christ. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, 9, fait qu'on est que raison qui fait Christ pour retourner, c'est parce que l'abtan dernier monde qui pour sauver a sauvé. Il dit, le Seigneur ne tente pas dans l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas en état, comme quelqu'un qui est. Mais il use de patience envers vous. Il dit, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il dit, mais voulant que tout ce qui ça arrive à la repentance. Et avec parole, ça, on doit tourner dans le livre Apocalypse. Parce que l'air parle de retour de Christ, de fin des temps. Dernier livre dans la Bible qui rapporte ça, c'est Apocalypse. C'est Apocalypse. Et il y a une bagaille qu'on a besoin de réaliser, c'est que cette bagaille qui vient pour arriver, dans le jour qui vient là, c'est dans l'Apocalypse où je viens. Dans le jour qui vient là, le premier bagaille qui vient pour arriver, c'est l'enlèvement de l'Église. Deuxième bagaille qui vient pour arriver, c'est la grande tribulation. Troisième bagaille qui vient pour arriver dans le jour qui vient là, c'est le retour personnel de Jésus-Christ. Quatrième bagaille qui vient pour arriver dans le jour qui vient là, c'est le jugement des nations. Cinquième bagaille qui vient pour arriver dans le jour qui vient là, c'est les alliés, c'est le règne millénaire de Christ. Sixième bagaille là, c'est le jugement du grand trône blanc. Et septième bagaille là, c'est l'éternité bienheureuse avec Christ. Maintenant, bagaille qui arrive. Tout chrétien qui dit que c'est chrétien qui a marché l'église, il est supposé qu'on bagaille ça bien. Il est supposé qu'on ait qui ça qui prend le passé. Qui ça qui était pour réaliser dans le calendrier bon Dieu. Et à la vérité, Apocalypse, c'est ça que lié. C'est ça que lié. Regardez, l'on prend Apocalypse, saute dans le chapitre 1er, arrive dans le chapitre 3, il parle nous concernant l'église. L'être que les sept. Jésus-Christ est envoyé par sept l'église qui était en Asie mineure. Je dis à connaître les Turquies. Sept l'église, ça, yo symbolisé l'histoire de l'église à travers les siècles. Et pour me faire une longue histoire, bien courte, vous regardez bien, l'Apocalypse 1, 2, 3, courir dans le chapitre 4,
bon voix qui dit l'apôtre Jean comme ça, voix dit Jean comme ça, tant que Jean rapportait lui. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une qui ça, trompette et qui me parlait, dit qui ça, monte et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et parole ça qui dans Apocalypse 4 verset 1 que l'apôtre Jean entendait, eh bien gon là c'est l'église qui attendait. Monter et c'est dans Apocalypse 4 verset 1 l'église enlevée. L'église enlevée. Et c'est prochain bagage qui vient pour arriver dans le jour qui vient là, c'est l'enlèvement de l'église. Et aussitôt que l'église enlevée, pral gon période sous terre que la terre pral connaître son période de 7 ans. Et période de 7 ans ça c'est période de tribulation que la terre pral connaître avec un chef qui pral diriger la terre entière. Dans un gouvernement qui a un seul chef, qui c'est l'Antichrist. Hier soir, nous n'avons pas parlé de l'Antichrist. Nous n'avons pas parlé concernant la marque de la bête. Hier soir, nous avons traité ça. Mais tout pareil, ça a privé pendant la période grande, pendant période de tribulation, qui a duré 7 ans, trois années et demie, dans ce premier temps, a moins pénible, et dernière partie de grande tribulation, c'est lui qui a pénible, c'est peut-être ça, la grande tribulation. Et dans l'Apocalypse, dans le chapitre 4, arrivé dans le chapitre 18, c'est là où est toute période de grande tribulation passée. Chapitre 4, chapitre 18. Là, on lit l'Apocalypse, chapitre 4, chapitre 18, ou pas pour l'église encore. L'église, il n'y a pas cité l'église de chapitre 4 à chapitre 18. L'église, on peut citer de chapitre 1 à chapitre 3, arrivé dans le chapitre 4, verset 1. Après ça, on pas tant de parler de l'église, parce que l'église pas là. Quand l'église y est, l'église en l'air, l'église montée, l'église enlevée, Jésus-Christ vient chercher l'église. Dans la même prophétie, même qui rapportait dans 1 Thessaloniciens 4, 14, 16, là, il dit le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais bien aimé, écoutez-nous hier, le retour de Christ, son mari qui est imminent, imminent implique le café à n'importe quel moment. Le retour de Christ, son promesse qui est inévitable. Inévitable, il n'y a pas de monde qui a bloqué. Le retour de Christ est nécessaire parce que Christ est dit pour aller, l'a tourné, l'a venu chercher nous et ça a privé quand? Ça a privé quand même. Ainsi, dans tout Apocalypse, ça saute dans chapitre 4, arrivé dans chapitre 18, c'est grande tribulation. Oh, mais bien aimé, lorsque l'église enlevée et on graine, on seul chef animé par l'esprit du diable a dirigé toute la terre pral connaître en période de tribulation, côté que bon Dieu pral déclarer la terre la guerre. Lorsque Jésus-Christ est venu dans son premier temps, il est venu comme un sauveur. Pendant la période de tribulation, Jésus-Christ a comme un juge. Pour lui juger. Et c'est peut-être ça, jugement qui pral tomber sous terre, pral prendre trois formes. Jugement, ça pral prendre forme, sept sceaux. Sept sceaux impliqués. À chaque fois qu'un document, Jésus-Christ ouvre un document, il décèle le grand jugement qui tombe sous terre. Sept sceaux. Les jugements sont à fin de passer, un jugement qui est plus terrible qui paraît. C'est le jugement trompette, les sept trompettes. À chaque fois qu'on trompette sonne, un jugement qui tombe sous terre. Et le jugement trompette à fin de passer, un jugement qui est plus terrible qui arrive. C'est le jugement des sept coupes. À chaque fois qu'on coupe versé, tracas tombé sous terre. Bible a fait qu'on est, c'est parti grâce à monde qui pral mourir sous terre. Yo évalue monde qui pral mourir dans un premier temps à un tiers. Un tiers monde pral mourir. Mabdoba arrive, sous-évalue la population de la Terre, et pour le moment, à presque 7 billions d'habitants, ou regardez pour combien, qui valent un tiers de 7 billions, ou réaliser qui valent le monde qui pral mourir dans la période grande tribulation. Et prends temps, l'arrivée de la caillou, les jugements trompettes, les jugements coupe yo jugement qui parle concernant guerre qui prend traverser la terre, famine, maladie, la peste. L'Oli Apocalypse yo dou gen un ange qui descend dans l'abîme qui ouvre prison abîme nan. C'est ça yo en grec le tartare. C'est côté que tout démon méchant yo emprisonné. Bible a fait qu'on est que les anges là dans Apocalypse 10 li l'ouvre prison démon, li lague yo démon yo. Prends la terre pour eux-mêmes, ils sortent comme des sauterelles qui ont piqué les gens. Les gens ont souffert. Je ne sais pas si nous avons vu ça. C'est dans scary movies, films qui font peur. Mais l'Apocalypse, c'est un bagage qui est réel qui peut arriver sous terre parce que le diable a pris la lague. Mais écoutez bien, le diable a pris même la lague. Bon Dieu peut même permettre que les vins sous terre pour exercer l'autorité de l'enchant de exercer. Regardez comment nous avons fait. Et l'elle paraît même. Et c'est ça qui va passer dans la période
grande tribulation. Antichrist, Antichrist, chef ça, le paraître sous terre, animé par l'esprit du diable, parce que diable a pas exercer autorité sous forme de deux mondes. Premièrement, Satan, c'est premier, hein? Satan le diable. Deuxièmement, l'abgon émissaire, c'est l'Antichrist, Antichrist. Et moi, je voulais dire, un monde qui compte Christ et un monde qui prend place Christ. Et puis, Antichrist, l'abgon premier ministre, il y aurait les faux prophètes. Ouais, ennemi, essayez d'imiter bon Dieu dans tout sens. Bon Dieu, dans bon Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, dans Trinité, diable, c'est pas une Trinité, c'est une triade. Il y a Satan le diable, l'Antichrist et faux prophètes. Essayez de pas exercer le pouvoir pendant la période de tribulation. Et ça qui va le passer, c'est que Antichrist pral dominer le monde politique là, l'a dominer le monde religieux là, l'a dominer le monde économique là, à un point tel que pour tout le monde sous terre, pour fonctionner, il faut identifier avec une marque. Et marque là, c'est la marque de la bête. 666. Même si ça va pas faire jodi, la technologie là déjà. Et pendant que je vais venir, technologie ça l'a implémenté, et puis le moment arrivé, Antichrist a besoin de tout bagarre en place pour qu'il soit capable agir. Et mes bien-aimés, ça arrive à n'importe qui moment. Et lors de l'Apocalypse, lors de chapitre, soit prend page avec moi. Lors de l'Apocalypse, ou dans chapitre 4, chapitre 5, ou passe dans chapitre 6, ou dans le jugement des sceaux. Lors de chapitre 7, ou après, dans mi-temps, période, grande tribulation, malgré jugement tombé, bon Dieu quitte encore un petit go de grâce pour la terre. Ça n'est un petit go de grâce. Pas oublier, je dis, l'évangile que nous prêchons dans l'église, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, ça dit comme ça, Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité pour pécher nous, et il a monté dans le ciel, et il monté dans le ciel, et un jour, il a tourné venir chercher nous. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Mais l'évangile qui prêche prêcher aussitôt que nous quittons terre là, c'est l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, nous sommes l'évangile qui dit, Jésus-Christ qui est venu chercher. Petit bon Dieu, yon l'en en ciel là, yon en ciel là, y a passé 7 ans en haut, et après 7 ans ça, Christ a tourné. Et l'heure tourné, la juge toute nation qui t'a suivi Antichrist, toute population qui te prend marque la bête là, et puis après ça, la instauré réunit sous terre. Tout le monde qui pas te prend marque là, qui te croit dans Jésus, même si Antichrist avait martyrisé, eh bien, Jésus-Christ a ressuscité pour yon rentrer dans le royaume là. Ça, c'est l'évangile du royaume. Regardez, il y a des gens qui disent, mais pasteur, je n'ai pas de problème. Je ne vais pas me convertir pour qu'on y a, non? Parce que si je rate la première occasion, je prends la deuxième occasion. Moi, j'ai une nouvelle pour vous. Si je rate la première occasion, la grâce là, un esprit d'endurcissement, un esprit de dérèglement qui rentre dans le cœur, pas de rien qui prend la deuxième occasion. Parce que la deuxième occasion est plus difficile. Regardez quelle liberté qui gagne pour nous prêcher l'évangile. Malgré ça, nous parlons de Jésus. Et là, nos situations côté que faut prendre mac la bête pour fonctionner, sous pas gain mac là, ou pas acheter, ou pas manger, ou pas fonctionner. Alors pensez c'est là ça moun pas faire l'évangile? Jamais. Raison qui fait que bon Dieu a permettre que l'évangile du royaume n'a prêché pendant la période de tribulation, c'est parce que gain moun qui sous terre qui pas tendre l'évangile de la grâce. Pourquoi me souvle? Gain moun quelque côté sous terre pas jamais tendre parler de Jésus, non? Yo pas tendre parler de Jésus, non? Gain moun qui pour jamais gain un monde qui baille l'évangile. Yo pas comprendre l'évangile, non? Bon Dieu, pape, j'aime quitter un monde paraître au grand jour du jugement pour qu'on n'ait pas connaître qui est sur les Jésus. Et peut-être ça, l'évangile du homme n'a prêché. L'évangile du homme, c'est pour permettre que travail l'évangile de la grâce pas de fin faire. L'évangile du homme, complète-le. Parce que qui ça, Matthieu 24 dit? Matthieu 24 pour avec la grande tribulation. Matthieu 24 dit comme ça, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Vous entendez qui ça dit? Pour servir de témoignage. Bon, qui ça veut dire? Yo façon pour personne pas dire que yo pas t'entendez. Et c'est l'évangile du royaume complète l'évangile de la grâce. Et qui est-ce qu'on est capable de l'évangile du royaume là? Et par les témoins de Jéhovah. Soit au bon fond avec témoins de Jéhovah, you should feel sorry for that person. Parce que nous pouvons dans l'évangile du royaume. Numéro un, son problème lié, on témoin Jéhovah déjà par quoi que Jésus-Christ est bon Dieu. Et puis il a parlé de l'évangile du royaume. Or, qui est-ce qui contrôle le royaume? Ou pas même croire que les gens qui mettent le royaume, c'est bon Dieu. Et pour dire ça, ou bien travailler dans le royaume. Ou pas respecter le boss royaume. Et puis ou dire travailler dans le royaume. Non, c'est terrible. Ou besoin de prier sous grand famille qui s'est demandé Jéhovah. Parce que l'homme dit comme ça, Jésus qui est son petit bon Dieu, petit suite. Alors que c'est Jésus qui est chef du royaume, ou déjà de respecter le boss là. Mais l'évangile du royaume, ce n'est pas témoin Jéhovah qui prêche. Dans Apocalypse 7, ce sont les 144 000 Haïtiens,
Allemand, Américain, Français, 144 000 Juifs. Il dit là, 144 000 Juifs. Bon Dieu pourra choisir 12 000 dans chaque tribu, 144 000. Et bon Dieu pourra avoir une capacité surnaturelle pour répandre l'évangile du royaume sur toute la terre. Imaginez ça, on graine l'apôtre Paul fait sous terre. On graine l'apôtre Paul. Regardez ça, on graine l'apôtre Paul fait sous terre. On graine l'apôtre Paul, bon Dieu choisit, regardez qui travaille que le fait. Imaginez 144 000 l'apôtre Paul. Bon Dieu lagué sous terre. Et pas de grâce travail qui va le faire. Et Mabdou, travail là, fait, c'est vrai. N'a pas eu cette nouvelle. Mais grand pile de monde qui va le mourir. Parce que le monde sait qui va accepter Jésus-Christ, qui va accepter l'évangile du royaume pendant la période de tribulation. Oh, Antichrist a matérisé. Parce que pendant la période de tribulation, il y a une chasse. La chasse aux chrétiens. La chasse aux saints. Parce que dans l'Apocalypse 13, il fait qu'on est que l'Antichrist va déclarer la guerre. On la guerre spéciale. Guerre, ça a été la guerre aux saints. Simple dit, la guerre yo, qui, derrière monde qui prend Jésus comme maître, comme sauveur. La guerre au sein. La guerre au sein. La guerre contre monde qui ne veut pas prendre marque de la bête. La Bible a dit, monde pral mourir sous terre par milliers et dizaines de milliers, parce que yo pas veut prendre marque la bête. Et nous jouons dans l'Apocalypse 14, bon monde sa qui mourit. Il a dit, bon Dieu, oh bon Dieu, yo paraît devant le trône de Dieu dans le ciel. Il a dit, bon Dieu, jusque ça quand? Ou a tiré vengeance de sang nous qui versé. Et puis bon Dieu dit comme ça, font titan, prends patience. M'a géré toute bagaille. T'as l'air comme ça, toute bagaille à pièce. Et tout le monde lit Apocalypse, oui. Lors lit Apocalypse, vous comprenez ce qui va le passer. Et ça, faut comprendre comment pour capable actif dans le plan de Dieu. Saut dans Apocalypse 7, tout dans Apocalypse 8, c'est jugement sérieux qui a continué. Lors il vient dans Apocalypse 9, qui sont qu'on écrivait? Jugement trompette, yo. Et à mesure que vous avez changé de un jugement à un autre, ça qui passe. Baga la vie plus grave. Lors dans Apocalypse 9, 10, il fait qu'on est que gon étoile, qui saute dans le ciel là, qui tombait dans une source de l'eau qui est sous terre. Et il dit comme ça, étoile là, elle est absente. Étoile là, contaminait toute l'eau sous terre, à un point tel que toute l'eau sous terre, un tiers dans l'eau sous terre, vini amère. Vous comprenez ce qui s'est passé? On gros valeur de l'eau sous terre, vini amère, nous venons un water shortage. Ou ka imagine yon terre ka vive, moun pa gen de l'eau pour yon boire? C'est pas ce problème qui pral gagner. Lorsque l'Apocalypse 9 ou tombe dans l'Apocalypse 10, c'est jugement trompette qui a continué. Prends temps pour l'île la caillou. C'est malheur sous malheur. Et l'on prend chapitre 11, jugement trompette qui a continué. Puis dans l'Apocalypse 12, sous ces étudiants de la Bible, on dit comme ça, m'a pas compris, non pas ce non. Qui sont les Apocalypse 12 dit? L'apôtre Jean explique dans vision, li wè yon femme nan enceinte. Pendant que la femme est enceinte, la femme est font petite. Et la femme est fait petite là, dragon qui sait ça, t'a vu la femme là, la petite la fait, dragon qui ça le fait, m'appelle pour même, et ou essayer des choses difficiles à comprendre. Apocalypse 12, verset 1er. Il dit comme ça, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail. Verset 2. Et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, comment? 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et Gémon a dit, pasteur, ça sont gros films. Comment on comprend le film ça? Est-ce que c'est Hollywood qui fait? Non, pas Hollywood. C'est la Bible qui parle. Verset 5. Il dit, femme, non, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Vous faut une longue histoire, écoute. Tout le gars, c'est le gars symbolique qui représentait plusieurs bagages. Premièrement, femme ça qui n'a pas l'Apocalypse là, c'est pas la Vierge Marie. Femme ça, c'est pas l'Église, parce que la Bible, par exemple, dit que l'Église est enceinte. Femme ça représentait Israël. Et Jésus-Christ sorti de la nation d'Israël. Et c'est Jésus-Christ qui est ce fils de Dieu qui sortit de cette femme qui est Israël. Parce que dans l'Ancien Testament, Israël comparé à Israël à une femme. Et Israël est comparé à une femme qui c'est l'épouse de Dieu. Cette femme, c'est Israël. L'enfant enfanté, c'est Jésus-Christ. Et
Ça que fait nous connaître, c'est Jésus-Christ, ou même qui connaît la Bible, qui connaît la Bible. Tandis que ça fait verset 5 là, dit, elle enfant a un fils qui doit perdre qui ça? Toutes les nations, avec qui ça? Une verge de fer. Qui laisse nous qui a une description ça? Jésus et Jésus seul. Et puis tandis que ça dit, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Waouh! Ça c'est Jésus, ah oui? Le jour de l'ascension, ça passe. L'enlevé. Et somme 24, bien pour avec. Ascension ça, lorsque ange a crié porte élevée volento, élevée les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est gros bout de viande à manger là. Gros bout de viande à fait à nous virer. Est-ce que nous là, hein? Sous la dit amen. Nous t'en détruisons trop l'évangile ou à autre. Faut nous donner l'évangile, gros bout de viande. Amen. Écoutez bien. C'est dans le contexte ça, dans son 24, le jour de l'ascension a monté. Ange dit porte élevée volento, élevée les portes éternelles, que le roi de gloire ça. Fasse son entrée et qu'on question que posez dit qui est ce roi de gloire, l'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats, porte élevée volento, élevée les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, qui est ce roi de gloire, et puis réponse à l'éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ici, cette femme c'est Israël, cet enfant c'est Jésus. Mais attendez qui s'arrive dans la suite. Pendant la période de grande tribulation, Antichrist prêt à attaquer Israël, ce peuple de Dieu. Israël était pensé c'était le vrai Christ. Il y a saisi puis au milieu de la tribulation, ils font alliance avec le faux Christ. Et pendant la période, pour les juifs, pour quelques juifs chappés, c'est couille pour le couille caché. Et dans verset 6, il dit comme ça, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Pendant que je parle avec vous là, juifs qui lisent la Bible, juifs qui comprennent ce qui va se passer, ils ont un côté en Israël, ils ont les Petra. Petra sont montagnes qui sont masses rocheuses. Ils ont construit en dans masses rocheuses là, ils ont espace qui pour permettre si juifs y en a cas pour y aller cacher. Ils ont été en fait d'avance. Soit en Israël ou à visiter, ou près le côté où les Petra, ou à regarder qui côté, son côté qui est environ à 100 miles de Jérusalem. Juifs y ont été préparés côté pour y aller. Caché, malgré qu'on ait qui s'est arrivé. Mais la Bible étant dit, ça peut aller arriver. Et puis dans verset 7, il dit comme ça, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Son équipe, bagaille qui est pour arriver, mais tout bord, qui s'est passé dans l'Apocalypse 12, par rapport à la persécution, Israël doit connaître. Et l'arrivée dans l'Apocalypse 13, ça passé. Nous te voyons ça hier soir, Antichrist a gouverné, Antichrist prend contrôle, Antichrist a exigé que mon adore pour le bail ou la marque de la bête. L'on passe dans l'Apocalypse 14, dans l'Apocalypse 15, c'est même mouvement, jugement qui a tombé. Mais heureusement, dans l'Apocalypse 17, 18, c'est un pic au chapitre, l'on l'a caillou folie. Apocalypse 17, 18 parle concernant la chute de Babylone. Dans tout dit Babylone. Depuis où Babylone dans la Bible, première ville qui était. Premier projet qui était révolté contre mon Dieu, qui ton projet anti-Dieu, c'était le projet Babel. L'homme t'est bâti, t'est construit la tour de Babel. C'est ton ziggurat, ton niche diable, pour être capable de former une société de diable, une société sataniste. Mais le ciel dit que ça n'a pas fait. Et la Trinité font conférence. Il dit allons, descendons, confondons le langage. C'est Babel ça qui bat Babylone. Et Babylone, depuis que ça dans la Bible, c'est son mot qui campait pour tout le monde qui rébellait contre mon Dieu. Tout le monde qui pas voulait suivre mon Dieu. Tout le monde qui pas obéit à mon Dieu. Tout le monde qui contre la loi de Dieu, c'est Babylone. Eh bien, dans la Bible, il parle concernant la chute de Babylone. La chute de Babylone correspond à corruption qui vient sous terre. Corruption dans le monde politique. Corruption dans le monde religieux. Corruption dans tout secteur de l'humanité. Eh bien, la Bible la caractérise comme Babylone. Et c'est dans l'Apocalypse, chapitre 17, 18, il parle concernant la chute de Babylone. Qui est-ce qu'on est qui est Babylone? Satan le diable. Pour bon Dieu craser règne Satan, non seulement il craser tête là, mais il craser base là. Il craser chef là. Mais avant de craser chef là, il craser base là. Base là, c'est Babylone. Prends temps pour lire ça la caillou. Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Ainsi, l'arrivée dans 18, où est franchi quelques étapes dans cette bagarre qui vient pour arriver dans le jour qui vient là. Premièrement, l'enlèvement de l'église. 4-18, c'est la grande tribulation. Mais l'arrivée dans le chapitre 19, c'est le retour personnel de Christ. Et oh, attendez que ça 19 l'a dit. L'apôtre Jean dit comme ça. Après cela, verset 1er, j'entendis dans le ciel qui ça, comme une voix forte,
d'une foule nombreuse qui disait qui ça? Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont comment? Véritables et justes. Et puis, une parole là qui est importante pour noter. Verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia! Tant nos paroles. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré où ça? Dans son règne. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Et puis, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse, c'est qui ça? Préparée. Épouse, c'est l'Église. Épouse, c'est l'Église. Et si, une fois que Jésus-Christ fait retour personnel, nous débouchons sur le jugement des nations. Jugement des nations, Jésus-Christ prend le juger toute nation qui était suivant Antichrist là, toute nation qui était, toute population qui t'a suivi et message Antichrist là, il prend le juger tout avant que il établit règne millénaire sous terre. Et pour bail dans la suite, le sixième bagaille qui est dans le plan mondial, qui c'est jugement grand trône blanc, qui prend le déboucher sur l'éternité bienheureuse avec Christ. Et si l'on prend tout l'Apocalypse là, l'on arrive dans verset 20. Alors, dans chapitre 20, son chapitre qui t'a doué faire, moun qui pas converti peur. Moun qui pas converti peur. Parce que qui s'agit dans chapitre 20? Diabla ou ekap nous nou, pour Jésus-Christ s'établirait 1000 années sous terre, il y a enchaîné pendant combien de temps? 1000 ans. Et tendez qui ça dit, dans Apocalypse chapitre 20. Lui dit comme ça, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Aïe. Il saisit le dragon. Le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pendant combien de temps? 1000 ans. 1000 ans. Ça, c'est 1000 ans avant que la guerre dans les temps de feu. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Ça fait Jésus qui a 1000 ans de paix, et parce que le diable l'a enchaîné. Ou pas qu'il a la paix si le diable l'a pas en bas code. Pour gagner la paix dans le monde, il faut le diable l'a en bas code. Et bien, on mettait le bas code pendant 1000 ans. Et puis, l'air filmé dans le bacode. Tenez qui ça le dit. Verset 4. Je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause des témoignages de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils reviendront à la vie et ils régneront avec Christ pendant que ça, 1000 ans. Tout le monde anti-Christ est touillé pendant la période de tribulation. Qui était by vie. Et pendant qu'ils ont accepté l'évangile royaume, ils ont rejeté la parole d'Antichrist. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Christ régnait, ils ont ressuscité. Ils ont retourné à la vie pour régner avec Christ. On dit Amen à soi. Et puis il dit comme ça, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et puis, tandis que ça dit dans verset 7. Alors, pour une longue histoire, venez m'écouter. Nous tombons dans le jugement du grand trône blanc. Oh, Satan doit faire nous inquiéter. En pile. Il dit, verset 11, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, qui est ça, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et étant causé. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et si sous là, à soi, ou pas Jésus, verset ça, c'est pour. Sans Jésus-Christ, non pas écrit dans le livre de vie, un jour vous serez jeté dans l'étang de feu. Mais gloire à Dieu. Apocalypse grand chapitre 21. Chapitre 21, fait qu'on est, c'est l'éternité bienheureuse avec Christ. Tandis qu'il s'en dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et tandis qu'il s'en dit dans verset 2, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Où sont-ils dans Jean 14, Jésus-Christ a dit comme ça, je vais vous préparer une place. Il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Place à Jésus-Christ à le préparer, c'est ton place spéciale. Ce n'est pas ton place qui était là déjà. Son place là, le préparer. S'il était là déjà, tu as besoin de le préparer. Place là, le préparer pour l'église, son place préparée pour un peuple préparé, qui c'est l'église. Et c'est ça nous est là, oui, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21.
et Apocalypse 21 débouché sur Apocalypse chapitre 22. Qui l'escape dans la Nouvelle Jérusalem ça? Qui l'escape dans la place ça? Bible a fait qu'on est qui est oui. Dans verset 12 là, attendez qui ça le dit. Jésus-Christ dit Jean Paul dit Mounio, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour en à chacun ce qu'est son œuvre. Jésus-Christ dit Jean, moi Jésus, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville, par les portes dans la ville. Mais qui est-ce qui part dans la ville ça? Il dit, dehors les chiens. Alors, les parler là, son rail symbolique, dans la Bible, chien, c'est symbole, tout le monde qui va converti. Païen, monde qui va contre Jésus-Christ, dans la Bible, chien, c'est bête ça, il prend comme symbole, monde qui va converti. Dehors les chiens, les enchanteurs, magiciens, oui. Les impudiques, moun ki moralio, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et puis il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il dit comme ça, moun ki dit parole ça, c'est moun ou capable quoi la priver quand même. Jésus qui dit comme ça, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et puis il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend disent, viens. Et que celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et puis finalement, gon parole l'apocalypse qui fait connait que parole ça fin parler ou pas ni ajouter sous lui ni wété. Il dit je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa parole de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Jésus-Christ dit ça. Celui qui atteste ces choses dit ça, oui, je viens bientôt. Jésus-Christ dit la bouche, parle. Et puis qui ça? Jean répond. Et nous-mêmes, nous répondons même Jean avec l'apôtre Jean. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et tout le monde qui croit par ça recevra la dernière bénédiction, ça qui est dans l'Apocalypse, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et parole ça, lui mettait fin dans cette bagaille qui vient pour arriver dans le jour qui vient là. L'enlèvement de l'église. La grande tribulation. Le retour personnel de Christ. Qui c'est encore? Le jugement des nations. Le règne millénaire de Christ. Le jugement du grand trône blanc. Et l'éternité bienheureuse avec Christ. Sous les résumés, sept bagages, ou vous pouvez résumer tous les sept en quatre mots. Premier mot, dans l'Apocalypse, nous venons enlèvement. On nous dit enlèvement. L'église enlevée. Après enlèvement, dans l'Apocalypse, nous venons jugement. Alors, avant même. Et leur enlèvement fin fait, ou pour passer dans la tribulation. Après, enlèvement, on joue un jugement. Nous, tout dit jugement. Ouais. Enlèvement dans chapitre 4, 1 à 3, 4, verset 1er, enlèvement. Chapitre 4 à 18, qui ça? Jugement. Et puis, dans l'Apocalypse 19, Jésus paraît. Donc, on joue un avènement. Grande différence entre enlèvement et avènement. Enlèvement, Jésus qui se paraît dans les airs, l'enlever l'église. Pendant très peu de période de tribulation, 7 ans, jugement. Et puis, après jugement, Jésus-Christ paraît pour mettre fin pour le régner, c'est l'avènement de Christ. L'avènement de Christ. Il paraît tout nouvel. Puis dans la fin de l'Apocalypse, nous avons joué un tourment. Le monde qui ne connaît Jésus-Christ, pourra le tourmenter au siècle des siècles. C'est ça l'Apocalypse, ça, oui? Enlèvement, qui s'en va? Jugement, qui s'en va? Avènement, qui s'en va? Tourment! Je ne peux pas arriver. Soit là, ou qu'on ça, qui saute parler là, ou c'est le monde qui pied intelligent qui est dans le monde là, oui? Parce qu'on compte ça qui va le passer. On compte ça qui va arriver. Et c'est raison ça, frère. Moi. Si on compte cette bagaille qui est dans le plan bon Dieu dans le jour qui vient là, si on compte un enlèvement qui vient, si on compte un jugement qui vient, si on compte un avènement qui vient, si on compte un tourment qui vient, qui doit faire? Nous, c'est des ambassadeurs pour Christ. Un, il faut nous préparer nous. Deux, il faut nous bailler l'évangile pour l'autre monde préparer. Et maintenant, on va prendre pendant que je vais terminer. Je dis, attendez, regardez qui s'est passé à Miami. Les gens qui sortent, qui ne pas rentrer parce que pas de gens qui connaissent qu'il n'y a pas de passer en bas au pont, puis pour plonger. Et pendant que je parle avec là, il y a des gens qui ont pleuré. Et il y a des gens qui étaient capables de dire, ils étaient à la mauvaise place, au mauvais moment. Mais qui est-ce qui te connaît? Qui place qui tape mauvaise place? Qui moment qui tape mauvais moment? Personne ne te connaît. Et c'est la raison ça qui fait que yon moun doit assurer qu'on gagne Jésus comme sauveur.
Si vous pensez que parole ça qui n'a pas parlé, c'est blague. Gon Apocalypse dans l'Ancien Testament. Apocalypse dans l'Ancien Testament, il y a le Daniel. Daniel t'est prophétisé qui ça pral passer plusieurs empires à travers le monde, à travers les siècles. Et ça t'est prophétisé, il arrivé. Il prophétisé sous Babylone, il arrivé. Il prophétisé sous Mède et Perse, il arrivé. Il prophétisé sous l'Empire grec, il arrivé. Il prophétisé sous l'Empire romain, il arrivé. Gon dernier prophétie qui dans le livre Daniel qui pour arriver, c'est prophétie 10 orteils. Daniel, oui, à la fin des temps, prend une alliance, prend une coalition de nations dans les 10 orteils qui étaient nos statuts. Daniel, tu es en vision. Et 10 orteils, ça, nous jouons dans l'Apocalypse sous forme coalition 10 nations. Antichrist prend contrôle pour gouverner toute la terre. Bien aimé, la Bible, je parle d'un bagage qui peut être en contradiction. Nous toujours dit l'histoire raconte nos bagages qui passaient. La Bible, c'est de l'histoire au futur. Une grande partie de la Bible, c'est de l'histoire au futur. Abdoulah dit Somme 46, c'est de l'histoire au futur. Somme 46, fait qu'on est le Jésus qui prend pouvoir, il est en bas nous discours Jésus qui se prend à le prononcer, alors que Baral n'a pas fait. Somme 46, mettez le passé, alors qu'elle n'a pas fait. Et ça qui fait mettre le passé, c'est parce que, comme l'a fait quand même, il est en mettre au passé, tant qu'il est déjà fait. En somme, quand on se dit comme ça, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, Jésus-Christ. Il a rompu la lance, Jésus-Christ. Et dit, il a consumé par le feu qui ça, les chars de guerre. Et puis, sous base, ça, mes discours Christ, dit, arrêtez désormais et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Qui responsabilité, nous, mes bien-aimés, par rapport à. Parole ça yo qui dans livre Apocalypse là. Bible est notre ambassadeur. Responsabilité nous c'est par l'évangile. N'a vivre non l'église pas cap dormir. L'église pas qu'arrêter dans quatre murs, nous chita chaque dimanche, nous tendez chorale, nous tendez pasteur prêcher et puis dans la caille nous dit c'est un bon service. It was a good service. The preacher preached really well. That was an excellent sermon. Et pas ça, nous qui objectif de l'église. Objectif de l'église, son quand on vient pour entraîner et puis pour prendre dehors pour aller bailler la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ça qui est objectif de l'église. Nous, dans le dernier temps, c'est temps pour l'église mettre dehors. C'est temps pour l'église mettre qui ça? Dehors pour aller bailler pour l'évangile. Je vais terminer avec l'histoire ça, son mari qui commence. Il y a un mois de cela, à Parkland, nous sommes dans Stoneman Douglas High School. Ça qui t'est passé, qui va le petit monde qui était mort, avec jeune garçon qui était rentré, qui tient environ 17 timons. Il y a un deputy sheriff qui était sous campus là. Sur mon temps de nouvelles là. Bandit a tiré dedans. Deputy a caché des hommes. Il n'a pas même fait travail que les gens pour le faire comme un sheriff, un deputy sheriff qui a protégé l'école. Jodi a là dans Fox News vidéo sorti. Et il y a un rapport au côté que. Pendant bandi a tiré dedans monsieur dehors mais mon effort pas fait pour le tirer deux cartouches avant même yo révoqué li démissionné et possible dans jour qu'a vinn là yo ka poursuivre li on est grand crime qu'on moun fait yo les crimes ça non assistance à personne en danger même si c'est pas ou fait même si c'est pas ou tuer moun nan souhait y a tué un moun et pour pas faire rien alors que tu ka sauver moun nan ou commettre un crime yo les non assistance à personne en danger. Quittez-moi dans le barème à terminer. Souhait, nous gagnons l'évangile, nous connons la parole, bon Dieu, nous ne pas bâillons monde qui pas converti parole là, n'a pas coupable de même crime ça, non contexte éternel, non assistance à personne en danger. Gagnez monde qui souhaite l'enfer, qui besoin que nous bâillons l'évangile. Gagnez monde dans la famille, gagnez monde dans le travail, gagnez monde dans le quartier, qui souhaite l'enfer. Ils ont besoin de monde. Parler de Jésus. Il y a besoin de monde dire qui ça doit faire pour y sauver. Il y a quelquefois, ce n'est pas même 10 ou 10 monde dans ça, non. C'est un genre pour conduire ou prêcher l'évangile, la conduire tout, et puis monde n'a pas dit comme ça, ça faut jongler là. Ça, il y a besoin. Bon, moi. Mais bien aimé, je dis à monde qui a Miami pour tomber sur yo, il n'y a pas de connaître qu'il y a mourir. Et mes questions, qui côté yo?
qui côté yo. Et je dis, il y a l'autre monde qui quitte terre là, qui parti pour l'éternité. Qui côté yo? Qui côté yo? Pas oublier, gon enlèvement captain non. Après enlèvement, gon jugement. Après jugement, gon avènement. Après avènement, gon tourment. Jean dit comme ça, je vis devant le trône qui ça, des grands et des petits. Et il dit comme ça, même moi qui t'ai mouru dans la mer, il a pleuvé pour le juger. Il y a un méchant qui te dit comme ça, tellement méchant, et son histoire vraie, on voit que t'es méchant, il te mette dans le testament, l'œil mourit pour yon habiller dans un habit de moine, et pour yon mettre dans le cercueil comme ça, son façon pour le bon Dieu, well, pour mon Dieu capable de reconnaître que son moine n'est pas déjà méchant. Et que puis capable balle yon laissé passer. Gon l'autre même qui mande, l'ol mouri pour yo crimet li, puis yo prend poud li, pour yo monter à 37 000 pieds, puis yo lage poud la. Yon façon pour que au grand jour du jugement, pour le bon Dieu chercher le bon Dieu pas joindre. Oh, combien l'homme capable. Combien l'homme capable. Même gen nouvelle pour asoya, et m'a dou ça pendant que m'a terminé. Si gen yon moun ki la, ki pa gen Jésus comme sauveur, gen possibilité que asoya c'est dernier l'évangile qu'on attendait. Ou pas gen aucune garantie qu'on attend dans l'autre l'évangile. Ça fait un. L'on pas converti. L'on pas converti. De pourtant de l'évangile ou pas accepter ou en danger. Ou capable dire parce que ça fait en danger. C'est parce que koto pas accepter là, cœur vient endurci. Chaque temps d'on pas accepter, cœur vient pidu. Chaque temps d'on pas accepter, cœur vient pidu. À un point tel qu'on a privé qu'on pas mandé encore. Pas qu'on a accepté. Et m'a dit comment ça fait. C'est un monde qui vient la caillou qui offre un bagage pour boire. Ou est pour prendre Jésus qui pour sauver? C'est Saint-Esprit qui dans où qui mettait désir là. Là ouvre cœur ou dit m'a quoi et puis Saint-Esprit dit eh bien al quoi non. Et puis Saint-Esprit mettait désir ou dit ça bam Jésus. C'est Saint-Esprit qui bord désir là. Premièrement, ouvre cœur, Saint-Esprit ouvre cœur puis le bord désir là. Et pourquoi? Si Saint-Esprit chita là dans là, Saint-Esprit bord désir là, li bord désir là, li bord désir là. Et pour pas quoi? Gon point qu'a privé cet esprit a pas abandonné, il pas bon désir encore. C'est tant un monde qui vient la caillou, chaque temps vient la caillou dit comme ça, ouap bon bagaille. Mon dit pas boire non. Chaque temps mon vient dit ouap bon bagaille, dit pas boire. Il vient 5 6 fois, il dit ou dit ouap bon bagaille, dit pas boire. Et puis gon le monde vient la caillou. 6 moun vient avec moun nan, ou servi tout moun ou pas servir. Ça comment servir? Parce que il t'est toujours dit ça. Mbaboué. Regardez, le plus gros danger qu'a gagné, c'est lorsque cet esprit pas servi encore. Laissez-le commettre un péché, Bible arrive, le péché impardonnable. Pas rien qu'a fait pour encore. Non, qu'est-ce qu'on inscrit dans l'enfer, pas rien qu'a fait pour encore, parce que cet esprit pas servi ou parce qu'on a refusé ou endurci. Et c'est à soi, moi, qui me fait mal, c'est un monde qui l'a acquis, qui t'a refusé appel là, qui endurci. Parce que gon enlèvement peut arriver. Gon jugement qui va tomber. Gon avènement qui apparaît. Et puis gon tourment. Tourment, c'est qui ça? Le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.